Now get the fuck up. Yo, salut tout le monde, c'est Tactic Knife. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Modern Warfare 3 en live. Alors pourquoi, me direz-vous tout d'un coup, une partie en live sur Modern Warfare 3? C'est pas spécialement par grande envie de tant que faire une vidéo sur Modern Warfare 3, je vous l'avoue, mais c'est plutôt parce que, enfin, je pense que pour la plupart vous êtes au courant, aujourd'hui, pour les membres premium du Elite, on a eu la map Terminal version Modern Warfare 3 qui a été mise à disposition. Alors, voilà. Évidemment, je me suis dit, quand même, je vais faire une petite vidéo en live pour découvrir cette map en même temps que vous. Parce que, quand même, faut le reconnaître, c'est une map que, à peu près, pas mal de, enfin, beaucoup de monde a apprécié sur Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, pardon. Donc, je me suis dit, ça pourrait être sympa. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous dire quelques trucs. Donc, déjà, comme certains le savent, d'autres pas, donc c'est pour ça que je vais vous le dire. J'ai recommencé à bosser cette semaine, donc en gros, j'ai de nouveau une vie active comme un adulte, on va dire. Donc je pars le matin, je rentre le soir, donc c'est ce qui me laisse très peu de temps libre pour m'occuper à la fois des lobbies, de FR Mod, de Facebook, de Twitter et de YouTube. Donc honnêtement, je rentre du boulot, je me douche, après une grande partie de la soirée, je suis sorti à faire des trucs que d'habitude je faisais dans l'après-midi quand je travaillais pas. Donc, rassurez-vous, niveau des vidéos, je pense pas que je vais baisser de rythme. Niveau des sorties de vidéos, je pense que ce sera au moins un minimum de vidéos par semaine. Avant, peut-être que je ressorte un petit peu plus, 3, voire 4, non, plutôt 3. Mais bon, je pense que ça, en principe, ça devrait aller, franchement. Vu que je joue, d'accord, je joue moins mes journées, mais je joue toujours, donc ça devrait pas trop poser de problème. Donc voilà, juste pour prévenir, si ce tube, d'un coup, vous voyez que, en 4-5 jours, j'ai pas fait de vidéo, vous pouvez vous dire, d'accord, ben, enfin, le pauvre Tactique, il travaille, donc il a, du coup, il a moins de temps pour ses vidéos. Donc voilà, première chose à dire. Sinon, deuxième chose, oui, j'avais presque oublié. Pas mal de gens m'ont fait remarquer sur Facebook que j'approche, enfin, au niveau de ma chaîne YouTube, j'approche à 1000 abonnés. Alors oui, c'est vrai, j'approche aux 1000 abonnés. Pour l'instant, c'est un truc que je regarde pas spécialement. Enfin, je suis pas tous les jours aller sur ma chaîne. Ouais, oh, j'ai combien d'abonnés? Oh ouais, j'en ai gagné 4, machin. Voilà. Un truc que je fais pas, franchement, pas spécialement attention. Mais c'est vrai qu'on approche des 1000 abonnés. Alors justement, ça fait un petit moment qu'on en parle, et hier soir, en essayant de dormir, j'ai eu une petite idée de ce que je pourrais faire pour ces 1000 abonnés. Quelque chose qui fera, ça sera sous forme de concours évidemment, et ça vous fera participer, vous, à quelque chose. J'en dis pas plus pour l'instant, mais je pense que ça pourrait être une idée pas trop mal et assez originale. Donc évidemment, je mettrai une vidéo annonce sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer tout ça comme d'habitude. Donc voilà, on va lancer une recherche de partie, plutôt une partie normale. Comme ça, on va pouvoir, non, on va pas pouvoir découvrir cette map. C'est quoi ça, décommission? Alors ouais, ça fait longtemps que j'ai plus téléchargé les DLC de Modern Warfare 3. Donc il y a la moitié des nouvelles maps, je les connais pas du tout. Je savais même pas qu'il y avait pas de nouvelles maps à ce point là mais le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire Terminal et puis pas les autres. J'aimerais vraiment tomber assez rapidement sur une partie. Ah bah ça, c'est super. Ok, mais j'ai même pas regardé si c'est Terminal, enfin c'est pas grave. On va peut-être trouver... non. Ah, purée. Alors, Oasis, je la connais. Moi, je crois que j'ai arrêté de jouer peu après la sortie d'Oasis. Donc, 6 choses à préciser. Terminal vs Modern Warfare 3 est proposé gratuitement sur le store. Qu'on soit premium ou pas, je crois que de toute façon, elle est gratuite. Donc, c'est assez rare pour le souligner. Hein, pour une fois, un bon geste de la part d'Activision. Franchement, c'est surprenant. Pense, tout en sachant que par exemple pour Modern Warfare 2, les maps de Code 4, ils les faisaient payer, hein. Alors non, donc c'est une bonne chose. Enfin, ils ont fait quelque chose de correct, j'ai envie de dire. Ils ont fait quelque chose de correct, c'est pas exceptionnel, mais c'est normal, c'est correct qu'ils mettent une map comme ça à disposition gratuitement pour tout le monde.
Bon, sachant que ils ont changé un petit peu les structures de la map, mais ça reste Terminal Modern Warfare 2 en elle-même. Donc c'est sûr, j'aimerais bien tomber assez rapidement sur Terminal. Je me vois mal faire une vidéo de pff, là là, de 10 minutes alors que j'ai. Ouais, bref. J'espère que c'est pas en train de vous gonfler si jamais. Je mettrai une annotation dans la vidéo à quel moment vous pourrez switcher directement dans la vidéo pour avoir le début de la partie. Donc hop là, hop là. Et alors aussi, vous précisez un truc. Cette vidéo, elle est là pour putain, pour avant tout pour présenter Terminal. En aucun cas, ce sera là pour admirer le score pourri que je ferai, sachant que ces temps, je joue presque plus à Call of Duty, que ce soit Modern Warfare 3 ou Black Ops. Donc j'ai fait deux parties hier. Sur Modern Warfare 3, ça m'a blasé, enfin full ACR silencieux, ça, franchement ça m'a saoulé, je suis parti. Donc bah, sinon là je viens de faire une vidéo, vite fait avant. Ah non, pas une vidéo, une partie, pardon. Et voilà. Enfin, Terminal, voilà, c'est nickel. Donc on va pouvoir muter tout le monde. Et puis honnêtement, j'ai hâte de voir ce qu'elle donne. Hein, ouh, j'ai fait quoi là? J'ai hâte de voir ce qu'elle donne. J'ai pu voir, pour l'instant, franchement, je suis pas vraiment intéressé. Hein. J'ai pu voir qu'une seule vidéo, et puis c'était de. J'oublie toujours son pseudo, c'est. Vous savez, c'est un mec balèze dans le modding. C'est un Américain. Alors, attendez. C'est bien quoi sa chaîne? Il était sur Xbox, et puis on sait pas comment, mais longtemps avant tout le monde. Voilà, j'étais sûr. Pour information, je suis sur Skype avec un pote. Et bah, il a muté son micro vu que je fais une vidéo, et il m'entend parler, et je suis sûr qu'il allait me donner le pseudo du mec. Donc c'est IHC James. Donc voilà, c'est un mec qui est super balèze en modding, il est sur Xbox, c'est un ricain. Et il avait fait une vidéo sur Terminal, mais pff, allez, au moins un mois et demi avant la sortie sur Xbox, alors ne me demandez pas comment il a fait, je n'ai aucune idée. Mais puis en tout cas, j'avais regardé vite fait, par-ci par-là, et ça m'avait quand même pas mal intrigué. Donc enfin, on va pouvoir jouer sur ce Terminal version Modern Warfare 3. Alors, mon ami qui au passage XDevOps, salutations à toi mon chou, qui me dit DevKit égale infiltration au serveur d'Activision, c'est pas impossible, c'est vrai. Élémentaire mon cher Watson. Donc voilà, allez hop, on a pris la MP7, hein, on va pas se casser le cul, on va simplifier la vie un maximum. Et on est en domination, je savais même pas. Et on va essayer de sortir. Oh là 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 là, la doublette plus 600, vous oh. Ah bah alors il y a. Non mais c'est pas vrai, c'est. Ok, donc on va essayer de se concentrer sur la map. Donc déjà on peut voir que le carrelage a changé, hein. C'est pas la même couleur, ça change à mort. Il y a toujours ce spot de trickshotter à la con, ça. Bon, c'est clair qu'ils vont pas l'enlever, hein. Ça aurait été complètement débile. Oula, ouais. Alors là, le magasin. Ils ont complètement changé, c'est pire balèze et ça fait vraiment pire bizarre. Waouh, franchement ça change. Quand on a passé, peut-être pas que vous pourrez comprendre parce que honnêtement, en tout, j'ai dû passer 55-60 jours de jeu sur Modern Warfare 2. Donc à jouer sur Terminal. Et bah, quand on a fait je ne sais combien de parties sur cette map. Et que là, on retourne sur Terminal, mais complètement refait, ça fait vraiment hyper bizarre. Certains n'ont pas spécialement joué à Modern Warfare 2. Donc forcément, ça leur fera moins bizarre. Mais oh là là. Honnêtement, ouais, ça fait vraiment bizarre. Surtout le magasin, c'est. Oups. Non, franchement, comme je vous l'ai dit, hein, on est là pour voir la map et pas pour essayer de faire un score de malade mental. Ah ouais, franchement. Les couleurs et tout, ils ont vachement changé, le sol. Ouais, ça. Ouais, franchement, ça fait bizarre, ça. Bon, évidemment, c'est bien, ça reste toujours Terminal de Modern Warfare 2, hein, ça c'est clair. Ouais, moi je fais toujours avec ma 106 2, hein, je mets toujours 3 ans à me retourner. Voilà, un petit headshot. Ouais, sinon, bah là, c'est. Ouais, franchement, c'est pareil. Même, je pourrais pas vous dire, mais je pense que même la disposition comme ça des bagages, c'est pareil. C'est pareil que sur la map de Modern Warfare 2. Donc vraiment, ils ont repris les bases et ils ont changé les quelques points par-ci par-là, mais c'est. Je peux pas dire, franchement, je peux pas vraiment dire que si c'est réussi ou. Ouais, pff!
N'importe quoi. Enfin bref, ouais, on n'est pas là pour critiquer le jeu, hein, pour triquiter le jeu. Non, franchement, on n'est pas là pour insister sur les défauts de Modern Warfare 3. Je vais faire un effort, je vais essayer de pas trop râler sur le fait que... Oh non! Oh ouais, d'accord, alors la réticule bleue de mon pote au-dessus de l'ennemi, ça c'est vraiment pas cool. Enfin bref, sinon là, ouais, c'est pareil. Franchement, là c'est pareil. C'est là on monte, là ça change le carrelage. Ça fait la map plus sombre un petit peu, vu que c'était à peu près blanc partout sur Modern Warfare 2. Là c'est gris, c'est un peu plus sombre, c'est pas trop mal. Hein. Moi, honnêtement, ça me change pas grand-chose, ça va pas changer ma vie. Mais, ça ouais, franchement ça change pas beaucoup. Alors il nous fait quoi lui là? Ah, il y a un mec ici, il y a une saloperie de campeuse ici. Nom de Dieu, et c'est quoi ce sulfate? Non, bon. D'accord, bah, je pense honnêtement, je pense qu'après cette vidéo, je vais partir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, sniper, ouais, évidemment inévitable, hein, la superbe des snipers. Ouais, d'ailleurs, ça m'étonne que je n'ai pas encore rencontré un, hein, donc je fais quoi? Du 11-8, bon. On va essayer de... Ah, le bruit des vitres cassées change. Écoutez bien. Il me semble, hein, je suis vraiment pas sûr, mais je crois. Dégage, toi. Ouais, alors. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais que fais-tu, mon ami? Oh! Oh! Ouh, ça c'était tout juste. Après ça, il a vraiment pas pris ses balles, celui-là. Non, eh, mais c'est Campouzland, c'est pas possible. Ah, dommage! Si j'étais pas une bite. À la... Vous vous rendez compte? Non, mais. Oh, franchement, ils sont sérieux. Non, mais il se fout de la gueule de qui là? Non, mais regardez ça comme c'est pitoyable, franchement. Non, mais déjà que le jeu en lui-même il est pas top. Alors, si les joueurs ils se mettent à le gâcher avec leur façon de jouer, on va franchement pas s'en sortir. Dégage. Je suis d'accord, j'arrange peut-être rien avec ma MP7, mais bon, c'est. Je vois pas pourquoi je devrais accepter de me faire défoncer la tête par des campeurs et puis faire un effort pour jouer. Mais prends tes balles, mon gars! Non, mais. Non. D'accord. Je vous promets, je ne rage pas, je ne rage point, je ne rage point. Alors, mais lui, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais regardez-le, celui-là, regardez-le. Franchement, c'est pitoyable. Enfin bref, la map terminale. Revenons à la map terminale. Je trouve que le concept en lui, bref, le concept en lui-même de rajouter une map qui a été beaucoup appréciée sur Modern Warfare 2, c'est pas une idée, c'est pas l'idée la plus bête qu'ils aient eue sur. Y a un ennemi là, je crois, non? C'est pas l'idée la plus conne qu'ils aient eue depuis Modern Warfare 3. Hein. C'est peut-être même la plus intelligente. Après, pour le reste, je sais pas s'ils ont prévu de. Ouh, bisous. Je sais pas s'ils prévoient de sortir des maps de Modern Warfare 2. Mais j'en suis un coup tout début de Modern Warfare 3, ça parlait qu'ils allaient sortir Favela et Terminal ensemble, je crois. Alors franchement, Favela, ouais, j'en étais sûr, les gars, j'en étais sûr. Favela, je dirais motherfucking pas non, parce que nom de bleu, cette map, je pense que le plus de mobs que j'ai tapé, c'est sur Favela. Mode spawn kill au couteau tactique, c'était superbe. C'était vraiment, mais c'était vraiment plus que mythique, c'était super. Donc voilà, à part ça, je blablate, je rage, mais j'ai quand même réussi à débloquer mon hélicoptère. Alors, si j'ai réussi à débloquer un Osprey sur la première partie que je fais sur Terminal, les gars, j'exige un maximum de gemmes sur la... un maximum de gemmes sur la vidéo, non, sérieusement. Si j'arrive à m'en sortir avec un score pas trop mal, je serais surtout bien satisfait de moi, c'est rien à dire ce que j'ai dit au passage. Je serais pas mal satisfait de moi, mais surtout du fait que ça fait longtemps que je n'ai plus joué, enfin, vraiment joué à ce bouse de jeu. Donc on va un petit peu faire les compouses, hein. Pas se gêner. Ouais, non, mais regardez-le celui-là. Oh là 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 là, le tactique, il est en forme. Le tactique, c'est moins il joue, plus il est fort sur Call of. Oui. Oh, par contre, ça. Attention, attention. Non, je suis coincé. Alors, hop là. Je fais comment là? Je me cache là. Je suis un kill de la C130. Si j'ai la C130, j'ai l'Osprey, c'est presque sûr. Voilà, nickel. Alors les gars, si je sors un Osprey, franchement, ouais. Vous pouvez me dire, vous pourrez dire dans la vidéo, chapeau tactique en plus. On m'a buté. Non, je suis.
Non, on m'a pas buté, c'est bon. Ouh. Alors, la C-130, ça fait tellement longtemps que j'ai plus utilisé aussi, mon dieu. Ils sont où? Ouais, ils sont par là. Et à part ça, il tourne pas mal vers moi. Oh là 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 là, les... Pff. Ah oui, c'est vrai, j'avoue. J'ai oublié qu'on se ramassait 15 IEM par partie, excusez-moi. Alors, à part ça, je suis à un putain de kill de l'osprey. Donc... Ah! Il y a un poteau qui s'est fait péta pour moi. Oh là là, comme j'ai parlé, ça fait pitié. Enfin bref, il y a un poteau qui s'est fait péta pour moi. Alors, il est pas là. Oh là 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 là, c'est bon, j'ai le spray, mais la seule merde, c'est qu'il y a une fucking IEM. Et je suis toujours avec ma MP9 à part ça. Si vous pouvez trouver, je suis sûr qu'il y a de vrais moyens de trouver un RCR silencieux. Ah bah non. P90 silencieuse en or, c'est parfait. Merde, j'étais en train de me dire, ça serait balasse que je me tape une mob, mais bon, enfin bref. On va pas trop délirer. On va déjà s'estimer heureux d'avoir un Osprey. Enfin, d'ailleurs, c'est bientôt fini, la UM. Est-ce qu'on a toujours les... Fuck you. Bon, écoutez, on va se cacher là. Et... attendez, voilà. Là, c'est un petit peu leur spawn. Et, allez, go. Là, le tactique, première partie sur Terminal. Il se tape l'Osprey, donc... On reconnaît... Franchement... C'est pas pour dire, mais les gars, on reconnaît directement les PGM de Modern Warfare 2. Non, je rigole. Bien entendu, l'Osprey sur Modern Warfare 3, ça peut rien avoir avec le mitrailleur de Call of Duty. Modern Warfare 2, c'est dommage, là, c'est un peu... En plus, ça lag. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Bravo, ça lag. Je vous explique pas comment le tactique, il est tout content, là. Je vous explique pas comment le tactique, il est tout content. Mais c'est super les gens, c'est super. Voilà. La partie a fail, mais je vais la garder, je vais mettre ça sur YouTube pour qu'on puisse voir que c'est tellement de la merde et ça va d'Activision. Enfin bref. Fait chier les gars, hein. Franchement ça fait chier. Est-ce que ça a enregistré ma partie au moins? Est-ce que ça a enregistré ma partie? Enfin bref, j'irai voir après. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Putain, on est à 18 minutes de vidéo presque. Donc voilà. J'espère que vous aurez aimé découvrir Terminal. Enfin, vous aurez peut-être pas découvert avec moi, mais j'espère que vous aurez aimé découvrir cette petite map en ma compagnie. Donc moi je vous dis à tout bientôt pour une vidéo, je ne sais encore quoi, sûrement sur Need for Speed The Run. Je vous parle pour moi sur mon Facebook. C'est vraiment le gros kiff du moment. Donc voilà, moi je vous dis à tout bientôt. Et puis voilà, je vous conseille franchement, allez télécharger cette map, en plus qu'elle est gratuite. Et puis voilà, moi je pense que ça peut être que des bons souvenirs, de dire waouh, Terminal, ça fait plaisir de jouer dessus. Donc voilà, moi les gars, pour la troisième fois, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.